Coucou. Bon, on est samedi matin. Mon facteur vient de passer. Tout petit colis Temu et j'ai reçu aussi un colis anti-gaspi. Voilà. Colis anti-gaspi, je vais en recevoir un autre la semaine prochaine parce que ben, j'en ai trouvé un autre. Donc, ben, je l'ai commandé. Donc, ça met 3-4 jours à arriver. Mais là, je vais vous ouvrir déjà Temu. Bon, c'est tout petit, mais je pense qu'il y a des petites choses à regarder. Donc, on va voir ça. Donc ça, la poubelle. Alors, je regarde. Ça, je sais pas. Pourtant, j'avais demandé des mots en français. Alors, attendez, parce que là, ah, ils sont peut-être là, les mots en français. Ah oui, c'est des... Alors, attendez. Oui, tout ça, c'est des petits mots en français, c'est des tampons. Enfin, je pense que c'est des tampons. On va lire, on va regarder ce qu'il y a d'écrit. Mais alors, celui-là, je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Ouais, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il va falloir que je demande à Corinne, mais il doit y avoir plusieurs feuilles en plus. C'est peut-être pour ça. Il doit y avoir du français aussi dedans, je pense. Bon, on va voir. Bon, ben voilà, ça c'est déjà déchiré, moi, avec moi. Ça met pas l'enfeu. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? Prendre la vie du bon côté. Vivre sa vie de dingue, de rêve, de folie, tout simplement. En suivant ses rêves, ses envies, son cœur. Dans la joie et la bonne humeur, joyeusement, en souriant, en chantant, en dansant. Magique, incroyable, unique, inattendue, surprenante. Avec gourmandise. Carpe diem, à toute vitesse. C'est pas pour moi à toute vitesse, hein. Avec humour, en décalage, comme on veut, comme elle vient. Se laisser surprendre, en toute saison, en été, en automne, en hiver, au printemps, ben on est tranquille. Exprimer, partager, donner, recevoir, chacun sa manière, originalement, en légèreté, avec générosité, avec amour, cultiver sa créativité, créer en liberté, avec passion, en lâcher prise, savourer, être dans l'instant, présent, hors du temps, suspendu, infini, douceur de vivre, bulle de bonheur, de joie, d'air, d'espoir. Pensée positive, bonne idée, création, rêver sa vie en couleur, thérapie, suivre sa voie, son chemin et sa route. Donc il y a tout ça décrit sur ces tampons. Donc ça, je pense que ça fait quand même pas mal de petites, de petites phrases à mettre dans mes collages, je pense, ou autre, ou ailleurs, hein. Et dans les collages, parce qu'en ce moment je suis dans les collages, mais voilà. Donc, ça. Alors, celui-là. Celui-là. Bon, j'en ai pas commandé beaucoup, mais j'en ai commandé quand même un petit peu. Hein. J'ai dit. Vous savez, moi, je commande pas des grosses quantités. Je ferais mieux de commander tout d'un seul coup, vous me direz. Hein. Ça serait beaucoup mieux. Alors là, je ne sais pas. Alors si ça. Bah oui, c'est tout des mots en. Ah oui, il n'y a rien de. Je croyais que c'était en français. Donc, ben, quand je verrai Coco, eh ben, on verra. Ou alors je ferai la traduction sur. Alors, je vais vous les montrer quand même. Je ferai la traduction sur. Comment? Sur Google. Comme ça, je trouverai ce que ça veut dire. Parce que. Oui, je ne sais même pas les prononcer, alors je ne vais pas les prononcer parce que j'en connais une qui va suivre de moi, c'est ma petite fille. Parce qu'elle a déjà essayé de me faire parler comme ça, mais alors, voilà. Pourquoi j'ai pris ça? J'ai dû cliquer et j'ai pas dû l'effacer, sûrement. Ça, c'est tout moi. Or, les prix, hein, je ne sais pas. Pour regarder, il faut aller sur le site et puis vous allez trouver. Et puis,
Vous allez trouver. Bon, on mettra après parce que ça, ça alors, je me suis pris ça aussi pour, vous savez, pour passer l'encre. Des fois, c'est bien pratique ces petites brosses-là. Donc, j'ai dit, bah, tiens, je vais en prendre. On a pris 5. Bon, je ne les défais pas, hein, vous voyez ce que c'est. Voilà, on a pris 5 comme ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors. Je vais peut-être prendre un papier pour vous les montrer. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, ça, allez, une petite devant l'Arc de Triomphe. Une machine, c'est une machine à coudre, ça. Je sais pas si vous voyez parce que je vois pas du tout ce que je vous montre en plus. Je vais visionner après. Je vais vous les montrer comme ça. Ah oui, je crois que j'avais pris sur le thème de la couture. Je suis pas sûre, mais il me semble. J'avais dit que je ferais peut-être une page sur le thème de la couture. Peut-être. Pas tout de suite. Là, c'est la peinture. Voilà. Là, c'est joli aussi. Des bobines de fil. Faut que je trouve un fond pour voir comment je vais les arranger. Là, c'est des fleurs. Là, c'est encore des fleurs. C'est joli quand même comme stickers. Ça, j'aime bien. Et celui-là. Si, c'est joli ça. J'aime bien. Je sais pas comment je vais les mettre, mais je vais bien trouver quelque chose. Donc, je vous montre grosso modo. Bing, c'est tombé. Je vais les remettre dans la petite pochette. Et après, qu'est-ce que j'ai pris? Encore un autre truc là. Attendez, hein. Ah oui, oui, oui. Je crois que, je sais pas si ça va, je crois que c'est des têtes, enfin des trucs anciens, je crois. Attendez, je range déjà ceux-là, pour pouvoir les retrouver. Il va falloir que je me refasse une pochette, hein. Parce que, c'est pas dans les thèmes que j'ai déjà fait. Oh là là là. Oh. Excusez-moi, hein, mais quand ça me prend, moi. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mon père, il éternuait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et lui, c'était une douzaine de fois. Il s'arrêtait à 13-14 fois, lui. Donc voilà, j'ai pris des petites choses comme ça. Alors, je sais, c'est pas beau de renifler, mais hein, je vais pas couper la caméra à chaque fois. De toute façon, on est toutes faites pareilles, hein. Tout le monde éternue, tout le monde se mouche, tout le monde. Alors. Oh. Oh là là là. Donc, une petite comme ça. Alors là, il y en a, je sais pas, il doit y avoir au moins une quarantaine là. Ah. C'est assez vieux hein, comme
comme image. Mais ça me rappelle des photos qu'une grand-mère avait, enfin, qu'une grand-mère, on disait que c'était notre grand-mère, mais c'était notre grand-mère, mais pas de sang. C'était une grand-mère qu'on appelait, parce que mes parents s'étaient liés d'amitié avec pendant la guerre. Elle avait même assisté à l'accouchement de mon frère, voilà, et sous les bombardements. Donc, elle est restée, comme elle, c'est elle qui l'a reçue dans les bras, et ben, on l'a gardée en grand-mère, quoi. Voilà. C'est vraiment des anciennes. Oui, ouais, ça me rappelle des photos qu'elle avait. Ça me rappelle bien des photos qu'elle avait. Le genre de photos qu'on faisait dans le temps. Elle joue du piano. Pas debout, mais assise. Voilà. Oh, c'est mignon, ça. On dirait moi quand j'étais petite. Franchement, on dirait moi quand j'étais petite, ouais. Ça me dit quelque chose. Donc, je vous montre ça déjà. Donc, je vais les mettre sur le côté, là. Et je les ramasserai après. Voilà. Ensuite, ah ouais, c'est vraiment les vieilles photos dans le temps. Je vais essayer de trouver quelque chose à faire avec ça parce que je trouve ça super. Je sais pas si vous allez aimer, mais j'aime bien, moi. Je peux en mettre partout, hein, mais sur son vélo. Ça, c'est. Oh là là, ouais, c'est vraiment le genre de photo qu'elle avait. Si j'avais su à cette époque-là, je lui aurais pris. Parce que franchement, si j'avais su qu'un jour je ferais ça quand j'étais gamine, parce que la pauvre, elle était de 1899, on faisait qu'à voir quel âge elle pourrait avoir maintenant. Ben, elle aurait 1900. 2000, 100, 101, elle aurait 125 ans. Oui, c'est ça. Elle était de 1899. C'est quoi qu'il y a derrière? J'arrive pas à voir. Ah, c'est un gros, gros chien qu'il y a derrière. J'arrivais pas à voir. Ah ben il y en a beaucoup avec des chiens. Là, c'est un chat. Là, c'est encore un chat. Si, j'aime bien, c'est vraiment ancien ça. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec, mais je vais sûrement faire quelque chose avec. Un petit chien tout seul. Ça, par contre, je sais pas si je les mettrais, mais bon, les chiens, je sais pas si en quoi que ce soit, ça peut compléter une carte. Alors ça, c'est le genre que j'avais quand j'étais toute petite. Ça, c'est sûr. Ça nous ramène vraiment en arrière, ça.
Mais elle en avait déjà une sur son vélo là tout à l'heure, mais pas dans le même sens. Oh, les vieilles photos. Il y en a un paquet, hein. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet, hein. Là, avec un petit chat. Oh. Ouais. Ah ouais, non, mais ça me rappelle quelques photos, c'est bizarre ça. Oh bah. Niji ancien, pas Niji, Snowy, en ancienne, si ça se trouve, c'est un ancêtre à Snowy. Et j'en ai encore pas mal dans les mains. Il va vraiment falloir que je trouve quelque chose à faire avec parce que là, oui. Vous allez en voir. Non, je ne vais pas en mettre tous les jours parce que. Il y en a pas en double. Hein. Ça me fait vraiment penser quand j'étais. Les photos quand j'étais petite. Mais alors, il y a des photos, c'est. Eh oui, ma pauvre dame, je suis pas toute jeune. J'en ai quelques photos à moi quand j'étais petite parce que j'ai dans ma famille, on m'en a ré récupéré quelques-unes. Ma belle-sœur m'en a récupéré quelques-unes. Mais j'en avais, mais comme j'ai tout perdu, ben, tous mes souvenirs, ils étaient partis. J'arrive à la fin, il n'y en a plus que deux, trois. Et voilà. Bah écoutez, je suis très contente de cette petite. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a un paquet. Hein. Je ne vais pas les compter, mais il doit y en avoir un, deux. Je vais pas les compter, mais c'est ce que je suis en train de faire. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il doit y avoir une cinquantaine, hein, je pense. 10, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Oui, ça doit être ça. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51. 52. J'ai 52 portraits comme ça et que j'adore. Enfin, que j'adore, que j'aime. Que adorer, non, faut pas pousser non plus. Mais, hein, mais ça me plaît bien. Ouais. Vous voyez, j'ai pas fait une grosse, grosse commande, hein, mais ça me. Je vais mettre ça dans le truc des pépettes, hein, je pense que comme ça, je la retrouverai. Parce que mettre ça dans la pochette, ouais. Voilà. Et après, je vous ouvre mon colis to go, mais dans une autre vidéo que je vous mettrai dans la semaine, ou enfin, quand j'aurai un moment.
Je sais que je dois recevoir un autre, alors peut-être que je vous mettrai les deux en même temps. Je ne sais pas. Attendez, parce que là, ça a collé. Allez, hop. Voilà, donc j'ai commandé ça. Ces petites... celle-là, j'aime bien aussi. Ça, je vais voir si c'est vraiment plus pratique. C'est vrai que... quand on encre, des fois, c'est plus facile peut-être de faire comme ça, peut-être. Je sais pas. Ah oui, c'est bien. C'est bien doux. C'est des trucs à maquillage. Hein. Moi, je me maquille pas de toute façon. Oui. Non, mais écoutez, je vais dire allez hop, je complète mes tampons. Enfin, mes tampons, mais mes. Enfin, si, c'est des tampons. Ça, par contre, je verrai. Je vais essayer de faire la traduction sur Google. Je verrai ce que ça veut dire. Et puis, à l'occasion, je m'en servirai peut-être. Hein. À l'occasion. Je vais les mettre quand même dans mon... avec mes affaires, là. Il va falloir que je retrie parce que j'ai l'impression que je recommence à mettre le bazar, là. Dans mon grand chariot, là. De chez Craftelier. Enfin bon, ça me donne quand même de l'espace. Et puis alors ça, ce tampon-là, je vais le mettre avec les autres. Là, oui, je voulais des mots en français. Donc j'avais dû taper là-dessus, mais j'avais dû oublier de le retirer de mon panier. Mais là, en français, c'est bien. En français, je trouve que c'est quand même... voilà, donc ben, écoutez, je vais vous mettre cette petite vidéo-là dans la foulée, là, parce que comme je vous ai rien mis ce matin, je vais vous mettre cette vidéo-là. Et puis... je vais aller me préparer parce que j'attendais le facteur, je savais qu'il venait, donc je n'ai pas été me préparer. Vous voyez, je suis encore en tenue comme hier soir. Et je vais aller me préparer, et puis après, je vous ferai mon blabla de la semaine. Voilà. Donc, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous!